Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve avec plaisir pour découvrir les énergies pour le jeudi 12 septembre. J'espère que vous avez passé une bonne journée ou bien que vous vous levez et que vous êtes en pleine forme pour accueillir les énergies de cette belle journée qui commence. Alors, aujourd'hui, comme d'habitude, vous pouvez choisir le tas qui vous inspire le plus. Vous pouvez poser une question ou une intention. Vous pouvez en prendre plusieurs. Faites comme vous voulez. Vous êtes les bienvenus. Je voulais aussi vous remercier pour tous vos messages, pour vos abonnements, pour ceux qui partagent également mes vidéos. C'est vrai qu'actuellement, je ne sais pas ce qui se passe sur YouTube. J'ai quelques soucis, avec mon nombre d'abonnés qui tend à baisser. J'ai aussi, voilà, mon nombre de vues qui tend à baisser, donc n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter parce que ça participe effectivement au référencement. Et les vidéos sont faites pour être vues, hein, bien évidemment. Je rappelle aussi que si vous souhaitez un tirage personnel, n'hésitez pas à m'écrire, sachant que les tirages sont effectivement payants, hein. Les vidéos sont ici gratuites, mais les tirages privés sont effectivement payants. Donc voilà pour la parenthèse. Donc on revient à nos moutons, on revient à nos cartes. Donc pour ce jeudi 12, on va découvrir tout de suite le tas numéro 1. Alors pour ce jeudi, vous serez accompagné de la carte la destinée. Donc ça, c'est une carte qui va nous parler de chance. C'est une fée qui effectivement apporte l'abondance, apporte la chance. C'est une carte qui va nous parler aussi d'ambition. Donc c'est une journée vraiment positive, une bonne énergie. On vous dit que cette fée, porteuse de ses multiples talents, donc elle s'appelle Dame Naema, c'est la fée du hasard, de la chance et de l'évolution. Elle est capable d'improviser et de s'adapter au mouvement du destin. Elle incarne l'instant présent et accouche des créations qui lui sont inspirées. Avec l'arrivée de cette fée, un événement vous incite à croire en votre bonne étoile et à provoquer votre chance. Donc il y a cette idée effectivement d'avoir confiance en soi, d'être protégé et de se lancer dans l'action en ayant vraiment confiance en soi et en l'univers, puisque on vous dit de provoquer aussi la chance, hein. Donc on tente le tout pour le tout. Avec cette carte, on croit en sa bonne étoile. On va regarder les autres cartes. On a le trèfle, voilà. Bon, bah on a deux fois la chance, hein. Donc là, aujourd'hui, autant vous dire, vous êtes bien protégés. Donc là, avec ces deux autres cartes, on va nous parler effectivement de bonheur, principalement dans le couple. L'anneau représentant l'amour, le couple, ça peut vous prédire une belle journée amoureuse, une belle journée pour les couples, quelque chose, peut-être une chance pour les couples à venir. Ça peut nous parler aussi de faire une belle rencontre si vous êtes célibataire, une belle rencontre amoureuse. Peut-être que vous allez rencontrer aujourd'hui une personne ou que vous allez du coup vous lancer et vous dire, allez, je vais l'inviter. Voilà, vous allez faire le premier pas peut-être d'un point de vue sentimental. Ça peut nous parler également d'un... L'anneau étant un engagement, ça peut être un engagement qui peut s'avérer professionnel, qui peut s'avérer dans une activité. Donc il est possible que vous ayez une signature aujourd'hui par rapport à un contrat, quelque chose qui vous amène une chance, quelque chose pour lequel vous êtes protégé. C'est-à-dire aujourd'hui, si vous devez signer un contrat de travail, si vous devez signer un crédit, si vous attendez une signature, un document à signer, en tout cas c'est très très positif. Tout ce qui va être en lien avec les engagements, les signatures, est très protégé aujourd'hui, hein. Donc c'est soit une belle rencontre, soit de la chance en amour, soit comment dire, une opportunité professionnelle ou bien un document important que vous allez signer et qui sera très favorable à vos projets, à votre avenir. On a deux fois la carte de chance quand même, hein. Donc là pour ce jeudi, c'est assez marqué chez vous, hein. On a la carte du soleil, hein, donc une excellente carte également. Donc là, on nous parle d'accomplissement. Donc pour certains, effectivement, donc ça peut être un mariage, ça peut être une bonne nouvelle pour les couples, ça peut être officialiser une union, hein, ou faire une belle rencontre, tout simplement, hein. Peut-être que certains ont effectivement aujourd'hui prévu de rencontrer quelqu'un ou de, voilà, un petit rendez-vous amoureux ou une escapade à deux, quelque chose comme ça. Ou bien peut-être que vous avez un entretien pour du travail ou que vous attendez la signature de quelque chose. En tout cas, c'est très pro... pas...
1, 2, 3, pardon. C'est très positif puisqu'on a en plus la licorne qui va nous parler d'imagination. Donc là, si vous voulez, on est en train de rêver, on est en train de construire ses rêves. Ça peut être effectivement une belle rencontre amoureuse, ça peut être obtenir le job de ses rêves, obtenir quelque chose que l'on attendait depuis longtemps, une maison. Voilà, c'est vraiment très très beau. C'est vraiment. On n'y croit pas quoi, c'est un petit peu ça, on n'en croit pas ses yeux, c'est vraiment magnifique. Hein. On est en train d'accomplir quelque chose qui nous tenait vraiment à cœur, quelque chose que l'on avait rêvé. Et là, avec cette carte de l'unisson, on nous dit qu'effectivement, on retrouve une certaine harmonie, on se sent bien dans sa vie, on est là au bon moment, on se sent bien, hein. Ça veut dire qu'on est aussi à l'unisson avec les autres personnes. Ça peut nous parler aussi de tout ce qui est artistique. Donc si vous êtes dans une démarche de projet artistique, cette carte-là, elle va vous dire qu'effectivement, tout ce qui est. Voilà, pour toutes les personnes qui sont en train de monter en quelque sorte un projet artistique, c'est très favorisé pour vous actuellement. Voilà. Il y aura des signatures, c'est très favorable pour vous. Mais ça nous parle surtout de retrouver une certaine harmonie. On se sent vraiment bien dans sa vie, on trouve sa place. Tout nous paraît simple aujourd'hui. Enfin, c'est vraiment le bonheur parfait. Je crois qu'il n'y a rien d'autre à ajouter. On n'a vraiment que des belles cartes. Ici, on a la fée de la chance, de l'ambition. Ici, on a le trèfle qui protège tout ce qui est association, dans le couple, au travail, etc. Toutes les signatures. Ici, on a le soleil qui nous parle d'accomplissement. On nous parle de réaliser nos rêves et de retrouver l'harmonie. Donc là, je ne peux pas. Voilà, je crois que j'ai rien à dire de plus. C'est vraiment une excellente journée pour vous. Donc je vous souhaite un très très bon jeudi et je vous dis à très bientôt. Alors, si vous avez choisi le tas numéro 2, on va découvrir tout de suite le message de votre fée. Vous êtes accompagné de la fée l'authentique. Donc cette fée, elle va nous parler de créer des liens, de soutien, de bienveillance et bien sûr d'authenticité. Dame Gabrielle invite à explorer les sentiments profonds et à tisser des liens sains. La joie de cette fée diffuse rire et tendresse et grâce à sa belle énergie, apporte la transformation auprès de tous ceux qui la rencontrent. Dame Gabrielle atteint les cœurs les plus impénétrables et propose encouragement et guidance en favorisant la création de contacts. Donc là, on vous invite vraiment à réaliser des changements nécessaires pour adopter un comportement nouveau. On vous dit vraiment d'aller là avec cette fée, d'être authentique, de vraiment d'aller vers des personnes qui le sont également, hein. En tout cas, on vous invite vraiment à être vous-même. Être bienveillant aussi avec vous et à créer des liens sains, hein, vraiment à s'entourer. Alors, on va regarder au niveau des autres cartes. En tout cas, elle est très très belle. Hein. Regardez, elle a une jolie fleur dans les cheveux. Elles sont vraiment belles ces cartes. On a envie de toutes les accrocher dans son salon. C'est vraiment ça, on a envie de toutes les encadrer. Alors, pour vous, pour ce jeudi, vous avez donc la clé et le cercueil. Donc là, on va nous parler pour certains de guérison. Peut-être que si vous étiez effectivement malade, patraque, si voilà, si vous manquiez d'énergie, là on vous dit qu'il y a une guérison. Peut-être que pour certains, on va nous parler aussi de nouveaux traitements. Si vous prenez un traitement médical, on peut vous dire que vous allez prendre un nouveau traitement qui va vous apporter effectivement une amélioration de votre état. Donc c'est très bénéfique pour ceux qui étaient effectivement qui avaient des problèmes de santé. Pour les autres, on nous parle effectivement d'avoir de l'aide, d'avoir une solution qui arrive, qui nous permet de faire avancer une situation dans laquelle nous étions peut-être bloqués, une situation qui n'avançait plus, hein, qui était vraiment un petit peu dans le noir. Là, on a la clé, on va pouvoir avancer. Et justement, la fée nous invitait à créer des liens. Donc, je pense que c'est en allant aussi vers les autres, en s'ouvrant aussi à aller chercher de l'aide, peut-être quelque part que vous allez trouver la clé. Donc, on vous invite aussi avec cette carte à ne pas vous isoler, peut-être à aller demander aussi de l'aide, à vous entourer. Ah, ben, on a deux fois la clé. Donc là, c'est sûr, il y a une solution. Comment dire? Il y a une ouverture, il y a une porte qui s'ouvre. Il y a une solution, il y a de l'aide qui est apportée, il y a un éclaircissement d'une situation, il y a une guérison pour certains. La fée, elle nous parle de joie. Donc effectivement, pour moi, certains là vont peut-être effectivement aller vers les autres, souffrir, sortir d'une période un petit peu de peut-être d'isolement ou de solitude. Il y a cette idée aussi, voilà,
de joie qui revient, d'apaisement peut-être aussi, de mettre un peu justement de bienveillance dans sa vie, un peu de légèreté dans sa vie, de s'amuser aussi, hein. Peut-être qu'effectivement, si ça concernait votre santé, vous allez effectivement vous sentir beaucoup mieux, vous allez retrouver l'espoir aussi d'aller mieux, et ça va vraiment vous faire du bien peut-être, voilà, d'avoir cette aide qui vous arrive. Là, on a la carte de la richesse. Donc, pour certains, ça peut être effectivement une situation financière. On va peut-être vous allez peut-être trouver une solution à un problème concret, un problème matériel. Et ça va vraiment vous apporter une joie de vivre qui va revenir, vraiment un apaisement, hein. On va vraiment vous tirer une épine du pied. Il y a vraiment cette idée-là. Par contre, on vous invite à aller, à ne pas rester isolé avec vos problèmes, à aller chercher la solution vers les autres, hein, demander de l'aide et à s'entourer effectivement de personnes fiables. Donc il y a peut-être aussi un tri à faire par rapport à son entourage, hein. Donc faire attention aussi à qui on demande de l'aide, je pense, hein. En tout cas, on vous dit d'aller vers les autres. On vous parle aussi d'être vous-même, de rester vous-même. Donc ça peut être important aussi pour cette journée de rester authentique, de rester fidèle à soi-même. Et que finalement, ça pourrait payer. Il y a cette idée aussi, voilà, de ne pas... de penser un petit peu à soi, je pense aussi, hein. En tout cas, pour moi, il y a vraiment, voilà, une ouverture, de l'aide qui arrive, une solution qui arrive, il y a une transformation en cours. Vous allez pouvoir retrouver un apaisement ou une solution financière pour certains, matériels. Vous allez pouvoir souffler un petit peu, je pense, hein. Que ce soit au niveau de la santé ou au niveau matériel, il y a un problème qui s'amoindrit là. Il y a un problème qui devient beaucoup plus... pour lequel on trouve une solution en quelque sorte, hein. Donc voilà pour vous aujourd'hui, une solution qui arrive, un traitement qui arrive, un apaisement. On vous invite à profiter de cette journée et à ne pas vous isoler, à aller demander effectivement de l'aide et à vous entourer des bonnes personnes. Donc, je vous souhaite un excellent jeudi et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Alors, si vous avez choisi le tas numéro 3, voici vos cartes. On va commencer tout de suite avec la carte de la fée. Donc, c'est la carte le miroir. Donc, cette carte, elle va nous parler de passage, de désillusion nécessaire, de remise en question profonde. Donc là, aujourd'hui, je pense qu'il va falloir réfléchir, hein. Il y a une introspection à faire. Il va falloir regarder en soi. Donc, on nous dit avec cette fée. L'insaisissable dame Maya est une fée solitaire qui ne se laisse point éblouir facilement ni même manipuler. Elle augure que vous n'êtes pas encore libéré de certaines choses et de ce fait êtes toujours en proie à vos anciennes blessures. Elle vous invite à ouvrir les yeux sur votre vie et vous pousse à faire preuve de force d'âme afin d'emprunter le passage vers la transformation personnelle. Donc là, effectivement, on vous dit de laisser tomber les masques, d'arrêter de se mentir peut-être aussi à soi-même. Et de effectivement faire du tri, hein, faire du tri et ouvrir les yeux sur voilà, arrêter de se mentir tout simplement, faire tomber les masques, le sien, celui que l'on porte, parfois même sans s'en rendre compte, hein, on se ment à soi-même, on n'est pas bien dans une situation, mais on fait rien pour en sortir et accepter aussi peut-être que certaines choses soient terminées, doivent changer. En tout cas, il y a vraiment des désillusions à travailler, hein. Il y a vraiment un passage, une réflexion, une introspection, une remise en question. On va regarder un petit peu avec les autres cartes. Alors là, on nous parle de choix. On nous parle de choix, de positionnement à faire. De décision, ça peut concerner le travail. Donc peut-être que dans le travail, vous avez un choix à faire. Peut-être qu'il y a un besoin de se remettre en question par rapport à son travail, un travail qui ne conviendrait plus, où il faut vraiment regarder les choses en face, hein, et prendre une décision. Arrêter de se mentir, on n'est pas bien dans ce travail, il y a des choses à changer, ou alors on a une proposition, on hésite, on ne sait pas trop. Donc ça peut vouloir dire que certains auront dans le travail un choix à faire. Peut-être que vous aurez à choisir entre plusieurs postes, ou bien
un poste qui ne vous convient plus et prendre la décision d'arrêter, tout simplement. En tout cas, il y a des décisions à prendre qui concernent le travail pour certains. Pour d'autres, ça peut être un choix. Il y a un choix, il y a une décision à faire. Il y a une nouvelle voie à prendre. Il y a quelque chose qui, de toute façon, ne vous correspond plus, ne vous satisfait plus. Il y a un choix à faire. Mais par rapport à ce choix, et ça fait écho à la carte du miroir, vous sentez pas prêt. Il y a vraiment un travail à faire d'introspection. Un travail à faire sur soi déjà, pour accepter ce changement, pour arrêter de se mentir, accepter les choses comme elles sont, hein. Et du coup, on a envie de se mettre un peu en boule comme le petit renard là pour prendre du temps pour soi, un petit temps de retrait peut-être pour y réfléchir. Et ça, cette coupe, il me semble qu'elle est déjà sortie plusieurs fois cette semaine. Donc pour certains, je pense qu'il est possible que certains retombent encore sur ce tas-là parce qu'il y a vraiment ce travail nécessaire d'introspection, de remise en question. Pas forcément par rapport au travail, mais par rapport à une situation. Donc là, oui, on voit que vous vous posez des questions, hein. Il y a une remise en question. Il y a beaucoup de doutes. Il y a des doutes, il y a des questions. On ne sait pas trop comment se positionner. On a besoin de protection. On a besoin d'être rassuré. On a besoin d'être chouchouté, hein. Ça fait écho vraiment à la carte du petit renard là, qui se roule en boule. Il y a vraiment un besoin, effectivement, de... Ouais, besoin de se sentir coucouné, donc besoin de retrait pour réfléchir à une situation. En tout cas, il y a un positionnement à prendre et il n'y a qu'en tranchant finalement que vous arriverez à vous libérer de ce questionnement. Il y a un moment donné où réfléchir c'est bien, mais il faudra aussi agir. Et là, on va vous le demander, hein. Donc là, on va vous demander vraiment de prendre ce temps, de vous mettre dans votre bulle, de prendre ce temps et en tout cas de travailler sur cette remise en question. Parce que là, ça bouillonne. Il y a de toute façon, l'information, elle va venir. Il y a de l'information qui va venir à vous. On vous dit que la lumière va arriver. Donc, la lumière, ça représente effectivement aussi la solution. Ça représente la réflexion. Ça représente de l'information qui va arriver à vous et qui va vous permettre peut-être de vous positionner, hein. Mais il va falloir accepter cette vérité, accepter ces informations, cette nouvelle peut-être, pour avancer et pour faire votre choix. En tout cas, il faudra se positionner. Faudra se positionner, oui. En tout cas, il y a un choix à faire, même si c'est pas évident. Il y a beaucoup de questions. De toute façon, ces questions, vous allez devoir y trouver une réponse. La réponse, elle va arriver. La réponse, elle est en vous. De toute façon, c'est à vous de la trouver. Et vous aurez l'information nécessaire pour vous positionner. En tout cas, on ressent bien qu'il y aura un besoin de prendre soin de soi, un besoin de repli peut-être. Donc voilà pour vous, pour aujourd'hui, ça me parle vraiment de remise en question. Soit c'est professionnel, soit c'est personnel. En tout cas, vous avez vraiment un besoin de faire ce travail-là encore parce que vous vous posez 1000 questions. Et il y a de l'information qui va vous arriver et de toute façon, il faudra trancher. Il faudra prendre une décision dans une relation, ça peut être voilà, j'y vais ou j'y vais pas. Ça peut être ça aussi. Un travail, ça va être pareil. Mais je pense qu'il y a beaucoup de peur aussi qui vous empêche. Et du coup, vous vous posez 1000 questions. Vous avez envie de vous rouler en boule, mais à un moment donné, il faudra trancher. Donc voilà pour vous, une journée vraiment voilà, avec une décision importante. Donc prenez bien le temps de réfléchir. Prenez aussi le temps de. Travailler sur ses peurs. Et n'hésitez pas effectivement à remettre en question peut-être certaines croyances aussi, certaines peurs, hein. Puisque vous avez la carte de la lumière, donc de toute façon, comment dire, le chemin est éclairé, le chemin que vous êtes en train de prendre est éclairé. Vous êtes protégé aussi. Donc voilà pour vous pour ce jeudi 12. Je vous souhaite une excellente journée. Merci à tous de me suivre. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup.